Module 4, l'État, quel rôle dans l'activité économique? Nous allons donc voir ça en deux points. Premier point, les indicateurs de l'activité économique. Deuxième point, les indicateurs de l'économie française au regard d'autres pays européens. Donc, premier indicateur de l'activité économique, le PIB. C'est donc la somme des valeurs ajoutées d'un pays. Il se calcule pour un pays dans son ensemble ou par habitant. C'est un indicateur économique qui donne des informations chiffrées sur le niveau de développement économique sur une année. Le PIB permet également de comparer le niveau de vie des habitants dans différents pays. Le taux de croissance du PIB, il donne des informations sur la santé économique du pays. Il donne également des informations sur l'enrichissement ou l'appauvrissement d'un pays. Par contre, petit bémol, il ne prend pas en compte le bénévolat, comme par exemple on peut penser à certaines actions qui sont faites dans des associations. Les indicateurs de l'activité économique, la croissance, lorsqu'elle est positive, elle indique que la population a augmenté son niveau de vie en consommant plus ou en épargnant. Cependant, elle ne permet pas de juger la qualité de vie des habitants d'un pays. Maintenant, passons au numéro 2, les indicateurs de l'économie française au regard d'autres pays européens. Quelques informations sur le niveau de développement d'un pays. Donc, le PIB, c'est donc la somme des valeurs ajoutées. Ce sont donc les productions de biens et de services à l'intérieur du pays sur une année. Le niveau de développement d'un pays se mesure aussi sur le taux de croissance. Donc, on mesure une évolution d'une année sur l'autre et ce taux d'évolution est exprimé en pourcentage. Vous aurez donc souvent à utiliser cette formule que vous devez retenir, qui n'est pas très compliquée. Le taux de croissance, c'est l'indicateur année n moins l'indicateur n-1 divisé par l'indicateur année n-1 multiplié par 100. Created using Powtoon.